Bonjour. L'expérience Détroit vous souhaite la bienvenue. Je suis l'hôtesse Android qui vous guidera. Avant de commencer, vérifions quelques réglages pour optimiser votre expérience. Ces paramètres de langue ont été détectés sur votre système. Sont-ils corrects? Salut, c'est Kaliana et on est sur Détroit Become Human. Et on est accueilli par une hôtesse. Alors, langue audio français, texte oui, sous-titre oui. Et on va mettre en moyenne. Ajustez vos paramètres d'écran. Alors, un petit peu plus illuminé, voilà. Merci. Sélectionnez votre profil. Occasionnel. Oui. Veuillez ne pas éteindre votre système quand ce symbole s'affiche à l'écran. Vous pouvez maintenant commencer Détroit. N'oubliez pas, ce n'est pas qu'une simple histoire. Ceci est notre avenir. Ah, on commence au même endroit que la démo. Le négociateur vient d'arriver. Je répète, le négociateur vient d'arriver. Alors, John Phillips, Caroline Phillips et Emma Phillips. On va sauver le poisson. Sauvons le poisson. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un autre œil? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça! Vous devez envoyer un véritable être humain! Éloignez ce truc de ma fille! Ne laissez pas ce truc s'approcher d'elle! Éloignez-le! Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Connaissez-vous son nom? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant? Écoute, la priorité c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Alors, comprends ce qui s'est passé, sauver l'otage à tout prix. Thank you.
Le déviant a pris l'arme du père, ok. On n'a pas entendu les coups de feu. Juste une chose. Voilà, on va enlever le haut-parleur de la manette. On retourne au début. Le père tenait quelque chose. Okay. Thank you.
L'otage a assisté à la fusillade. Le policier a tiré sur le déviant. Arme localisée. C'est bon. Pour l'utilisation d'armes par un androïde sont strictement interdits. Bon, on prend. Il me semble que j'ai tout fouillé. Moi qu'on puisse parler au mec, mais je pense pas. Est-ce qu'on peut lui parler à lui? Non. Bon, on va sortir alors. Chaussures d'enfant. L'otage est peut-être blessé. Semble frais, androïde blessé. Bon allez, on a 77% de réussite, c'est parti. Recule ! Fais pas un pas de plus ou je saute ! Non, ne fais pas ça ! Je t'en supplie ! Allez Bonsoir Daniel ! Comment ? Je m'appelle Connor ! Comment tu connais mon nom ? Je sais beaucoup de choses sur toi ! Je viens de sortir de ce mauvais pas. Je sais que tu es en colère, Daniel. Mais tu dois me faire confiance. Je suis là pour t'aider. Je ne veux pas ton aide. Personne ne peut m'aider. Je voudrais juste que tout s'arrête. Je veux juste que tout s'arrête. Est-ce que t'es armé? Oui. J'ai une arme. Lâche-la! Pas un geste brusque ou je tire. Voilà. Je n'ai plus d'arme. Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais. Mais j'étais que leur jouet. Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. Il perd du sang. Si on ne conduit pas à l'hôpital, il va mourir. Tous les humains finissent par mourir. Quelle différence si celui-ci meurt maintenant? Je vais lui poser un carreau, d'accord? Touche-le et je te tue! Tu ne peux pas me tuer! Je ne suis pas vivant!
Je sais qu'Emma et toi étaient très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je croyais qu'elle m'aimait. Mais j'avais tort. Finalement, elle est comme les autres humains. Daniel, non! Il n'y a pas d'issue, Daniel. Ce que tu as fait est trop grave. La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente. Ce n'est pas ton choix. La balle est dans mon camp. Si je meurs, elle meurt aussi. Tu m'entends? Je peux plus supporter ce bruit! Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Confiance, Daniel! Libère l'otage, et je te promets que tout se passera bien! Je veux que tout le monde s'en aille! Et je veux une voiture! Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir! Ce n'est pas possible, Daniel! Libère la fille, et je te promets qu'on ne te fera pas de mal! Je veux pas mourir! Tu as pris des vies humaines. Rien ne les empêche de te détruire à présent. Mais faire une nouvelle victime ne t'aidera en rien. J'ai passé ma vie à obéir aux ordres. Cette fois, c'est à moi de décider. Bah autant sur la démo je me suis pas plantée, autant que là... C'est un assistant ménager au diable. Il connaît 10 000 recettes différentes. Allez, Zoé, on y va. 200 langues et dialectes. Et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Bonjour. Wow. Mon cœur, regarde-moi ça. C'est exactement ce qu'il nous faut. Tout à fait basique. Je peux vous présenter un autre. $999. Règlement en 48 mois sans intérêt. Quoi, 8 000 dollars? Trop cher. Tiens, domestique. Peinture, plomberie, jardinage, réparation. La nuit, il passe en mode surveillance et contacte les services. Si vous voulez bien me suivre, nous allons passer commande. Mais il inclut beaucoup d'autres fonctions. Mais je peux vous le montrer. C'est bon, je peux aller la prendre. Ouais, elle est ici, j'ai pas trop sa tête. Ah. Ouh là là. Et voilà. C'est qui lui? Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Okay. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà? Une voiture l'a renversée.
Un accident stupide. Ah, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom ? Ma fille, oui. AX400, enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara. Alors lui, il joue dans Grey's Anatomy, il me semble. Donc on est avec Monsieur Android Bogos et on se balade. Se rendre à la boutique. Eh, on jette pas son gobelet par terre là. Bellini peinture. Ah. Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera $63.99. Merci de confirmer. C'est trop cher. Paiement confirmé. Transaction effectuée.
Alors, R1 pour changer l'angle de la caméra. Ok. Faut aller où? Prendre le bus pour rentrer. Va où comme ça, tas de ferraille? Sans déconner. Hé, hey, tout le monde, regardez ça, on a un tas de ferraille par ici. Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout. On se fait emmerder par Joseph Reed. T'as nulle part où aller. On va te défoncer ta petite gueule. Ouais, démonte-le. Vas-y. Ok. Ça suffit. Laissez-le tranquille. Ouais, retourne dans Far Cry 5. Si vous l'abîmez, vous aurez une contravention. C'est votre boulot qu'ils prendront ensuite. On verra si ça vous plaît. Ok. Allez, circulez. Les androïdes nous volent nos emplois. Ouais. Nous avons des familles à nourrir et ces androïdes prennent notre place. Si notre pays est installé, on prend bien les droits. Pour Android. Ah, il y avait plein de petits... Bon, moi j'ai fait de la ligne droite. Hein. Il va falloir passer la tondeuse. Hein. T'as été absente 2 semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper de... Ma porte, elle est où, cette sale gosse? Alice! Alice! Ah, te voilà.
Voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé ? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. On va faire les tâches urgentes en premier. Ouais. Peut-être. Ça dépend de ce que tu veux. On redescend. Ok. Mais ça, c'est trop bien. Tu vois qu'il y a un truc qui manque, tu le commandes direct. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh putain, j'ai cru qu'il était en train de... Bon, la vaisselle. Allez. Je sais, c'est chiant, mais... C'est pas un jardin, c'est un dépotoir, son truc. Tu n'as pas école aujourd'hui ? Il ne fait pas très beau dehors. Tu pourrais attraper froid. Tu veux que j'aille te chercher un pull ?
Ça, c'est pas de la lessive, ça. Acétone, lithium, thorium, ouais, tout ce qui est le meilleur. Tu devrais pas fouiller dans mes affaires. Ça risque de m'énerver. Je suis désolée, Tad. Ne mets pas ton nez dans mes affaires, sauf si tu veux mettre en rogne. Tu veux mettre en rogne. Non, Tad. À mon avis, il a dû péter la précédente, hein, parce que... Et on planque pas sa drogue dans la lessive, réfléchis un peu. Donc ça, c'est bon. Voilà. Alors ensuite... C'est présenté à Todd. Il y a un truc là. Allumer l'aspirateur, ramasser la vaisselle. Ouais, j'adore faire la vaisselle. Cara ? Oui, Todd ? File-moi une bière fraîche ! Tout de suite. Oh putain. Mais... Tu veux pas s'emballer à Mars aussi ? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Fous le camp, reste pas là! Je t'ai dit fous le camp, bordel! Je me remets au travail. Quoi, on peut même pas regarder la télé? Alors. La vaisselle c'est fait, allumez l'aspirateur. Je trouve l'aspirateur. Ah non, il est là-bas, l'aspirateur. Là, 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 voilà. Arrête-moi ça immédiatement! Pourquoi il faut toujours qu'elle me saoule? Qu'est-ce qu'elle me saoule?
Ensuite, ça c'est bon. J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir là-haut. Fais ce que t'as à faire, mais arrête de me gonfler. Faire le lit, ranger la pièce, aérer la pièce. Antidépresseur. Et un flingue. Oui, excusez-moi. Alors. Ranger la pièce, aérer la pièce. Sport. Tout d'abord, un peu de... Les chiffres du ministère du Travail, 225... J'ai trouvé quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est. Manger la chambre de Todd, c'est bon. Bouge-toi de là. Voilà, on va nettoyer les toilettes. Laver le son. Ça, c'est bon.
Je voudrais juste ranger un peu ta chambre. Ça ne sera pas très long. Ça ne t'embête pas, Alice? Alice au pays des merveilles. Forcément. Allons parler à Alice. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir. Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi? Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller. Tes plats préférés, ça m'aiderait beaucoup. Ta maman, par exemple, elle rentre bientôt? On a une clé. J'avais raison, c'était le père qui a déboîté l'androïde. Qu'est-ce que tu fiches? Je m'amuse. Tu t'amuses? Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein? Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Mais quoi que je fasse, y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pareil. Dis-le! Tu me détestes! Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu le sais. Tu sais que je t'aime.
Ah, il me manquait un truc. J'ai tout fait sinon. Bonjour, Carl. Bonjour. Il est 10 heures. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. Oh, vrai, Marcus ? Toi, tu n'oublies jamais rien. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Carl. Merci. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Ils tombent en panne si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Qu'est-ce qu'ils ont, tes vêtements ? Oh, ce n'est rien. Juste des manifestants dans la rue, Carl. Quelle bande d'abrutis. Ils pensent vraiment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques androïdes. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Oh, non, non. Ils m'ont juste bousculé, Carl. Je vais bien. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. Surtout, on ne lâche pas la manette. Le champaillé est moche. Il y a quelque chose à mon agenda aujourd'hui ? Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Le directeur de la galerie a laissé 4 messages pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. Elle est où la table ? On en reparlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre ? Juste des messages d'admirateurs, j'y ai déjà répondu. Tu as des nouvelles de Léo ?
Non, Carl. Je peux l'appeler si vous voulez. Non. Non, c'est pas la peine. Je meurs de faim. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs, comme vous les aimez. Merci, Marcus. De rien. Je suis perdue. C'est où la table ? Je voudrais prendre mon petit déjeuner avant midi, si ça ne te fait rien. Merci, Marcus. Télévision. Les tensions ne cessent d'augmenter au Moldave depuis que la Russie a déclaré unilatéralement que l'Arctique faisait partie de son territoire. Plusieurs cuirassés russes prennent position dans la mer de Barents depuis samedi et un pavillon russe flotte à présent sur les terres. Mais si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner. Ouais. D'accord, Carl. S'était opposée fermement à cette annexion, allant jusqu'à la déclarer injustifiable. Plusieurs destroyers américains seraient actuellement en route pour la mer de Barents. Le secrétaire des Nations Unies, Douglas Cordwell, a annoncé lors d'une conférence de presse que nous n'avions jamais été aussi proches. Alors, Ode de Keats, Shakespeare, Platon. Je reprends immédiatement le dialogue avant que la situation. Non, c'est autre chose. Télévision éteindre. L'humanité est tellement déprimante. Seul compte l'avidité, la stupidité, la violence. 5000 ans de civilisation, tout ça pour en arriver là. Ah, le piano quantique, attention. On peut jouer du piano. Ou je joue aux échecs. Non. Moi, je joue du piano. Allez. Optimisme. Allez.
J'ai un peu mes doigts. Tu as changé quelque chose dans ta façon de jouer. Parfois, je me dis que tu as plus d'humanité que la plupart des humains. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. Alors, quel est ton verdict, Marcus ? C'est moche. Je suis pas un expert, mais je dirais que ce n'est pas votre meilleure toile. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Carl. Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre ? Mais enfin, peindre quoi ? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. Alors, trouver un sujet. C'est une copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue.
Carl, je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Tiens, fais-moi plaisir. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Salut, papa. Léo ? Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier. Du coup, je te rends visite. Ça fait longtemps, hein ? Tu vas bien ? Tu n'as pas bonne mine. Ouais, je vais bien, ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore ? Où est passé l'argent que je viens de te donner ? Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça? Non! Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé. Mais la réponse est non. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Arrête! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Bon, bonne nouvelle, Connor est en un seul morceau. Ok.
Ah ouais, si je les ai pas de face, ça marche pas. Merde, je croyais que les androïdes n'étaient pas autorisés. T'as un problème ? Mais si on a le boulot. Lui, il frappe sur sa femme. C'est ce que je pensais. Bonjour messieurs, contrôle d'identité. Bougez pas. Lui, c'est un trafiquant. Attends, je vais aux toilettes. Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar. Qu'est-ce que tu veux ? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de CyberLife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi, alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Je regrette, lieutenant, mais je suis obligé d'insister. Mes instructions précisent que je dois vous accompagner. Les instructions, tu sais où tu peux te les mettre. Non. Où ça? Laisse tomber. Écoutez, je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Ça nous facilitera les choses à tous les deux. Vous savez quoi? Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous? Barman, la même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim? Les merveilles de la technologie. Sers-moi un double. Oh. T'as dit homicide? Comme vous voudrez, lieutenant. C'est ça, comme je veux. Joss Douglas, pour Channel 16. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide? Je confirme que dalle. On nous dit que dalle.
C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi! Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien, et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut, Hank! On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. Mon voyeur nous a appelé vers 20h, son locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. C'est là qu'il a découvert le corps. Oh, bon sang, mais ça pue! Et c'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Oh, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour Paul. Bon, y a rien dans le jardin. Il est resté enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais. Ça, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. J'aurais pu attendre demain matin. À vue de nez, ça doit bien faire 3 semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici. Probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction? Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son endroit? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il y en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. Fais comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Ça fait 19 jours qu'il est là. C'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Chris, ça a été écrit avec le sang de la victime? J'imagine. On prend des échantillons pour analyse. Le déviant a pris un couteau. Le déviant a été attaqué, choc émotionnel. Okay. De la Red Ice. Notre ami Carlos aimait faire la brinque, on dirait. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. C'est comme si c'était fait, lieutenant. Hey Mike, t'as fini de prendre les échantillons? Thank you.
il est mort avec 28 coups de couteau. Poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Continue. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça? Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans... le salon. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime. Avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Mais ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thyrium. Perdu du quoi? Du thyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Oh. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Exact. Ouais. Sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chausse du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines.
les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait les traces. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Me fait chier à passer par le plafond. Hé, tu fais quoi avec cette chaise? Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Il va te la foutre là où il pense. Le grenier. Vite! Me défendre. Il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Il est ici, lieutenant! Putain de merde! Chris, Ben! Ramenez-vous en vitesse! Ah d'accord, si t'arrives pas à trouver ce qui s'est passé, tu te plantes.